C'est un marché parallèle qui a vu le jour à Fontiti, dans le 3e arrondissement, où en dehors du marché domanial du Mont construit par la mairie de Pointe-Noire, les vendeurs exercent leur commerce les mercredis et dimanches, malgré la mesure d'interdiction édictée par le gouvernement pour lutter contre la pandémie de Covid-19. Une vendeuse justifie cette démarche. Là, on n'arrive plus. On est obligé de vendre les mercredis, les dimanches aussi. On est obligé. Parce qu'on ne vend plus bien. C'est normal. On nous attaque toujours. Il y a la mairie qui vient, il y a la police qui vient. Bon, on n'y peut rien. Les jours de mercredi, les jours de dimanche, non, ils ne viennent pas. Pour ce commerçant, la mesure d'interdiction des marchés mercredi et dimanche ne frappe durement que les Congolais, obligés d'user d'astuces pour compenser le manque à gagner causé par l'opération choc. Les Ouest-Africains, les magasins, là, ils vendent pratiquement tous les jours. Pourquoi interdire le marché chez le Congolais? Donc, le mercredi, il n'y a pas le marché. Le dimanche, il n'y a pas le marché. Pourquoi? Et quand les autres font ça, la police est là pour suivre, taper, ravir tout. C'est pas normal. Ces vendeurs exercent ainsi leur activité depuis quelques temps sur cette grande avenue située en arrière-plan du marché de la Liberté.